Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui autour d'une petite table ronde dont le thème est le plagiat. Le plagiat, facilité d'écriture ou vol intellectuel. Alors, cette table ronde, elle accompagne une exposition que vous voyez dans nos murs, un vrai jeu de pistes. C'est une exposition qui s'appelle « Un collable sur la citation ». Elle a été réalisée par l'EPFL, l'École Polytechnique de Lausanne, qui nous l'a cédé pour qu'on l'utilise. Et on se félicite de cette collaboration très, très, très intéressante. Et aujourd'hui, pour accompagner cette exposition, on voulait venir discuter à l'ITBM du plagiat. Alors, pour ce faire, on a quelques invités. Je vais les laisser se présenter. Okay, bonsoir à tous. Zedjiga Aydrous, je suis ingénieure pédagogique au CIP, au Centre d'innovation pédagogique à l'UTBM. Eric Hellman, donc je suis professeur à l'Université de Bourgogne et je m'intéresse aux questions de droit d'auteur et de plagiat en particulier. Maxime Bach, je suis enseignant-chercheur à l'UTBM et je suis venu là surtout parce que je suis à la CPCNU, qui est la commission permanente du Conseil national des universités, et que nous travaillons en ce moment sur le plagiat, notamment au niveau donc des thèses et des articles. Et je vous en parlerai un petit peu. D'accord. Alors, je me présente quand même, Bernadette Courdemouche. Donc, je suis la responsable du service commun de la documentation de l'UTBM. Donc, on voit ici qu'on a la région, on a la pédagogie à l'UTBM, on a la recherche à l'UTBM et le côté et la représentation nationale des universités qui réfléchit aussi sur ce sujet. Alors, peut-être pour commencer, on pourrait d'abord redéfinir ce qu'est le plagiat. C'est Giga, tu peux nous donner une définition courante peut-être? Alors, qu'est-ce que le plagiat? Donc, on accuse souvent le copier-coller d'être la source de tous les plagiats. Alors, le plagiat, il peut avoir donc deux sources principales. On peut donc accuser effectivement le copier-coller d'être à l'origine du plagiat. Donc, c'est au moment où nous allons sur Internet ou ailleurs rechercher donc des idées, des ressources, et qu'on ne les référence pas correctement. On les utilise comme si c'était nos propres idées. À partir de là, donc, on tombe dans le phénomène du plagiat. Il faut dire qu'aujourd'hui, Internet favorise le plagiat. Pourquoi? Parce que les outils de web 2.0 et la facilité de publier des contenus sur Internet qui ne sont pas eux-mêmes bien référencés par les gens qui les publient. Et à partir de là, donc, les gens peuvent les reprendre sans les référencer correctement. Et sans retourner jusqu'à la source, à la vraie source des ressources. Voilà. Bon, Eric, tu veux réagir tout de suite sur cette définition? Pour compléter une chose, c'est que le plagiat, c'est pas le terme juridique qui est consacré lorsqu'on recopie de façon illicite ou on diffuse de façon illicite de la musique. On parle aussi de piratage, on a parlé autrefois de photocopiage, quand on photocopiait des bouquins sans s'intéresser à de savoir si on avait le droit de le faire. Et le terme juridique consacré, c'est la contrefaçon. En droit, toutes ces atteintes à la reproduction ou à la diffusion d'œuvres protégées par le droit d'auteur sont définies en droit par le terme de contrefaçon. Voilà, c'est ça le terme consacré. On ne sera jamais poursuivi devant un tribunal pour plagiat, même si c'est le mot qu'on utilise dans la langue courante, juridiquement, c'est le terme de contrefaçon qu'il faut retenir. D'accord. Et Maxime Bach. Oui, moi c'est un petit complément technique sur Internet. Parce qu'il faut comment ça fonctionne Internet. Internet, donc on va mettre sur un site un fichier qui représente soit une image, soit un texte et autres. Ou un film. Quand on va s'amuser à se balader sur Internet, on dit qu'on se balade sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Quand on va voir un site, on prend l'image, on prend le fichier qui est sur le site et on le télécharge chez nous. Donc, à chaque fois, vous ne pouvez visionner sur votre écran ce qui est sur le site d'un autre qu'en le téléchargeant chez vous. Alors, on le télécharge et on le sauvegarde, ou on le télécharge et puis dès qu'on l'a vu, on l'efface. Et d'un côté, c'est le téléchargement, et puis de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le streaming. C'est-à-dire que la photo ou le film ou le texte va passer un moment chez vous, il va être immédiatement effacé.
Quoique, parce qu'il y a aussi, techniquement parlant, il y a ce qu'on appelle le cache. C'est-à-dire qu'il y a le cache qui va garder des images. Donc, quand vous avez été vous balader, même si le fait uniquement de se balader, et même si on ne réutilise pas par ailleurs, on a forcément téléchargé le fichier. Alors, ça peut être une photo, ça peut être un texte et autres. Et on a forcément, c'est forcément passé dans notre cache. Donc, si on n'a pas fait d'autres choses derrière, ça reste dans le cache. Donc, les juristes sont bien embêtés avec ça. Hein. C'est pour ça que à la notion de streaming, alors, en ce moment, c'est si on sauvegarde sur un autre support, là, on va considérer qu'on va piller, quoi, hein, qu'on fait de la contrefaçon. Par contre, si c'est dans le cache, stricto sensu, on a quand même l'image d'un autre, ça peut être une image, un texte, qui est dans notre cache, qui est sur votre ordinateur. Mais comme c'est le cache Internet, c'est pas facile. Alors, derrière cette notion de plagiat ou de récupérer de l'information en streaming ou pas, quand même, il y a des notions de droit d'auteur. Alors, est-ce que cette notion de droit d'auteur, elle existe toujours? Est-ce que quand on fait de la recherche collectivement, dans une équipe de recherche, est-ce que aussi dans cette masse d'informations qui circule et qui est des fois vite obsolète ou en open access, quelle est cette notion de droit d'auteur là derrière? Est-ce qu'elle n'est pas un peu parfois galvaudée? Non, je crois qu'elle n'est pas galvaudée, simplement le droit d'auteur, comme tout le droit, enfin le droit immobilier, le droit fiscal, c'est des choses qui bougent avec leur temps. Et donc c'est vrai que le droit d'auteur, quand il a été conçu, sans remonter trop loin, fin 18e au 19e, les questions qui se posent aujourd'hui, notamment avec les nouvelles technologies, ne sont pas les mêmes qu'hier. Mais dans son principe, le droit d'auteur, il a été même plutôt bien foutu, puisque au fond, les règles, dans leur formulation, n'ont pas évolué depuis un demi-siècle, enfin quasiment pas. Donc, qu'est-ce que c'est le droit d'auteur? C'est le droit qui permet en fait à quelqu'un qui est l'auteur d'une création de l'esprit, il met au point une image, un roman, un film, un article scientifique, un rapport, une thèse, que sais-je. Il est le propriétaire intellectuel de cette création de l'esprit. C'est ça. Hein. Donc, quand j'achète un roman, je suis bien le propriétaire de l'objet livre que j'achète en librairie, mais je ne suis pas le propriétaire. Mais je ne suis pas pour autant le Émile Zola ou que sais-je, quoi. Donc c'est une propriété sur la création. On parle de propriété intellectuelle. Or ça reste valable aujourd'hui, enfin notamment dans mon universitaire. Enfin il y a plein de gens, de jeunes gens qui font des mémoires de master, des thèses en doctorat, les aînés. Il y en a deux là. Nous on publie des articles dans des revues scientifiques ou même des ouvrages chez les éditeurs. Or, dans tous ces cas où je produis de l'image, je produis une iconographie, j'ai besoin d'un schéma qui résume une idée, etc. Là, on est vraiment dans la création de l'esprit. Simplement, peut-être il y a juste une petite chose à préciser, c'est que le auteur protège les idées qui ont pris forme dans un objet matériel. Parce qu'heureusement, on ne peut avoir des discussions entre nous en réunion de laboratoire. Or, les idées, elles, restent de libre parcours, comme on dit. On ne peut pas être revêtir la propriété d'une idée. Il faut que cette idée prenne forme. On peut être à deux à bosser sur le même sujet, mais on ne peut pas dire tu m'as piqué une idée. Enfin, si on le dit, il m'a piqué mes idées. Mais ça, c'est pas condamnable. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on peut avoir, un sujet de recherche, qu'on va investir de telle ou telle façon, et ça va déboucher sur une réalisation. Or, ça, dès que c'est fait, et quel que soit son statut, un étudiant peut très bien revendiquer la propriété de son mémoire de recherche. Mais de la même façon qu'un prof, qu'un ingénieur, etc. Donc, peu importe la destination de la création, peu importe le statut de la personne qui est l'auteur de cette création, en tant que tel, ce travail intellectuel mérite d'être protégé et d'y veiller. Alors, c'est vrai, si je peux encore juste ajouter une chose, l'Internet et la culture numérique de nos étudiants laissent penser que comme c'est sur le web, on peut l'occuper gratuitement. Enfin, c'est tellement facile, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont accessibles, qu'on a l'impression que tout ce qui est là, on le prend. Voilà, on s'inquiète plus de savoir si c'est protégé ou pas. Mais c'est une erreur. C'est pas parce que on ne voit pas l'indication d'un copyright, tu sais, ou ce petit C qu'on avait autrefois sur les bouquins ou sur d'autres choses. C'est pas parce qu'il n'y a pas cette mention que pour autant on peut en faire n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de négligence, de facilité, voilà, à prendre un truc sur le web, le copier, l'intégrer, ne citer personne, changer la couleur, dire oh, ça passera, on verra pas d'où ça vient, blablabla. Donc c'est vrai qu'il y a des facilités aujourd'hui en termes de reproduction et de diffusion qui font que, oui, le droit d'auteur, il est difficile à faire respecter. C'est vrai que c'est compliqué. Mais pour répondre et pour terminer...
Oui, le droit d'auteur, il a encore sa raison d'être, puisque je rappelle, c'est quand même l'idée que c'est une source de rémunération. C'est la seule, si je pense aux artistes, aux musiciens, aux graphistes, aux photographes, etc. Le seul moyen qu'ils ont de gagner leur vie en France, enfin, après, il y a d'autres règles différentes dans le monde anglo-saxon, c'est quand même de gagner sa vie. C'est-à-dire que c'est important. C'est un métier. Alors, si on revient au titre de la table ronde, pour aller un tout petit peu plus loin de ce que tu viens de dire, ce qui est toujours par derrière et qu'on entend, avec cette facilité d'écriture de l'informatique, est-ce qu'il y a différentes formes de plagiat ? Est-ce que quand je fais par méconnaissance, par facilité ou par flémardise un copier-coller, est-ce que c'est vraiment aussi un plagiat comme si, de la même manière que je l'aurais fait volontairement pour usurper, pour escroquer ou pour organiser un travail qui ne serait pas le mien et que je veux voler à quelqu'un d'autre. Est-ce que tout ça, c'est du plagiat quand ça commence, quand ça s'arrête Oui, moi, je vais prendre quelques exemples. Nous, en ce moment, on recherche... Il y a un champ de recherche qui s'appelle le tatouage d'image, par exemple. Hein, donc, le tatouage d'image, on voit bien que des fichiers informatiques, c'est un ensemble de bits qui suivent. Donc, on peut très bien planquer là derrière, imaginons sur une image, donc avoir des teintes un peu différentes qui suivent une certaine progression mathématique qui correspond aux gens qui ont produit cette image ou ce film. Et donc, il est possible de pouvoir détecter hein, par ces tatouages d'où vient notamment qui a plagié. Hein. Ça a été mis en place notamment pour les films, hein, pour que justement, il y a des films qui sont plagiés, qui sont copiés avant d'être sortis officiellement même, notamment dans les jurys. Hein, par exemple, il y avait un film qui a été diffusé qu'en 6 exemplaires aux 6 membres du jury du festival. Et donc, il y a eu une copie illicite et ça s'est répandu sur Internet. Là, comme ça avait été tatoué, ils ont pu savoir quel était le numéro de la copie qui est fait. Et donc, ça remonte vite. Les thèses en ce moment, c'est plutôt sur du tatouage robuste. Alors, le tatouage robuste, c'est parce qu'on peut aussi, non pas piquer le fichier, mais filmer. Hein. L'idée, c'est d'aller dans une... Quand le film sort... On va dans la salle, on filme ça avec son smartphone ou une caméra, et puis ensuite on met ça sur Internet. Et ben le tatouage robuste, lui, résiste justement au fait, même si quelqu'un ne fait que refilmer, on arrive quand même à remonter à la source et où ça a été filmé, dans quelle salle et autres. Donc ça, c'est toute l'industrie cinématographique qui a mis ça en place. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième, c'est l'anecdote, c'est ici on avait fait un logiciel pour les gens qui font de la randonnée, hein, pour expliciter comment ça fonctionne les différents GR, GR5 qui passent ici au ballon d'Alsace et ainsi de suite. Et il y a un étudiant qui avait fait une première page. Et il avait en fait pris une carte IGN, mais qu'il avait retravaillée. Donc on voyait plus du tout que c'était la carte IGN. Mais comme cette carte IGN avait été tatouée par l'IGN, Institut Géographique National, eh bien dès que ça a été sur le site de l'UTBM, paf, on a été contacté par l'IGN qui nous ont dit vous retirez ça tout de suite. Alors ça s'est arrangé. En fait, souvent ce genre de choses, quand vraiment il y a pas de mauvaises intentions, on va pas jusqu'au tribunal et ça s'arrange avant. Hein. Donner des exemples. Oui. Alors, en matière de plagiat, bien sûr, j'ai envie de dire, on peut dire ça se produit de deux façons. Ou alors, on part sur Internet et on cherche une idée ou un contenu et qu'on voit que ce n'est pas à nous, mais on l'utilise sans le référencer. Bien sûr, je me réfère là au domaine vraiment éducatif, dans le contexte, par exemple, universitaire. Ou alors, ça peut se produire sans qu'on se rende compte, c'est-à-dire qu'on fait en référence, mais ce n'est pas la bonne référence qu'on utilise. Par exemple, on va sur Wikipédia et qu'on récupère des contenus, mais ces contenus n'appartiennent pas directement au site. Ils ont été mal référencés, par exemple, par les gens donc, qui ont participé à l'écriture, par exemple, du wiki.
Bien sûr, là, encore une fois, c'est un peu la contrepartie de l'utilisation des outils de Web 2.0. C'est-à-dire qu'on facilite l'écriture sur le web à tout le monde. Tout le monde peut créer des blogs, diffuser des contenus. Mais au final, sur la propriété intellectuelle de ce qui est diffusé sur les blogs, finalement, on n'a pas un vrai traçage des contenus. Et à partir de là, on peut aussi tomber dans le plagiat sans aller finalement le chercher. Voilà. Merci de cette précision. C'est vrai qu'il y a du plagiat à différents niveaux. Eric, tu veux aussi juste réagir sur la gravité. Enfin, oui, toutes ces formes de le plagiat, il prend plein de formes différentes dans notre univers. C'est un étudiant qui clique droit, il prend, il enregistre une image et il la colle dans son mémoire. C'est quelqu'un qui fait sa thèse ou qui fait un mémoire de recherche, qui fait un copier-coller, le fameux copier-coller d'un texte sans mettre les guillemets et citer la source, déjà, à minima. C'est même pas du droit d'auteur. C'est de la politesse. C'est comme citer les gens dont on t'est inspiré. Donc les formes sont multiples. J'ai vu dans l'exposition qui est ici maintenant dans ces murs les images, les graphiques, des plans, l'image, une carte, etc. Tout ça, c'est des formes de contrefaçon. La reproduction illicite, c'est ça. Enfin, c'est reproduire sans l'accord des auteurs. Donc, si on n'a pas l'accord, c'est du plagiat. Simplement, la gravité n'est pas la même. Effectivement, souvent dans mon universitaire, comme c'est pas, enfin pendant longtemps, c'était pas largement diffusé, comme derrière il n'y avait pas un enjeu financier, on fait ça pour faire son mémoire de recherche, on fait ça pour sa thèse qui va être lue par 5 personnes. Donc pendant très longtemps, c'était relativement c'est confidentiel. Donc il n'y avait pas beaucoup de contentieux. Mais à partir du moment où ces pratiques je ne suis pas certain qu'elles soient en hausse aujourd'hui, mais enfin bon, en tout cas, sont désormais visibles parce que le mémoire de recherche, il est mis en ligne. La thèse, tout le monde peut la lire. Enfin, avant, il fallait emprunter. On passait par le premier bibliothèque. C'était assez lourd comme procédure. Or, maintenant, tout ça, on nous le demande d'ailleurs. On nous demande de partager d'ailleurs ce qu'on produit. Et c'est normal et c'est légitime. Donc, ces pratiques illicites qui étaient tolérées ou qui étaient en partie invisibles ne le sont plus aujourd'hui. On repère beaucoup plus vite. Et ça veut dire que ça s'est démultiplié. C'est pour ça qu'on a, par exemple, dans le monde de la nous, enfin, mais c'est pas ici à l'UTBM, mais dans l'université, développé des outils de logiciels qui permettent de, je simplifie un peu, de scanner très rapidement des mémoires et de repérer s'il n'y a pas des bouts de choses qui ont été piquées ici ou là, quoi. Donc les pratiques, elles se sont peut-être multipliées, parce que ça, c'est facile à faire aujourd'hui, copier-coller, clic droit, prendre une image, la coller dans un texte, etc. Mais elles sont aussi rendues plus visibles parce que les plagiaires eux-mêmes s'exposent, sans parfois en avoir conscience, en diffusant largement leurs travaux via PDF et autres. Alors, une des questions aussi qu'on peut se poser, est-ce que ça touche uniquement les étudiants dans l'université? Je vois dans la presse qu'on parle parfois aussi que ça touche, parce que maintenant ça devient visible un peu plus, le monde des enseignants, des hommes politiques, des journalistes récemment, encore cette semaine, de citoyens aussi. Donc ça peut toucher tout le monde. Là encore, le droit d'auteur, moi l'affaire qui m'avait vraiment frappé, c'était il y a 2 ou 3 ans, c'était un ministre d'État allemand, en charge des affaires militaires, c'était le ministère de la Défense, défense, qui était donc un docteur en sciences politiques, je crois, et dont qui était en poste, et puis un poste quand même important, éminent, ministre de l'État, et on s'est rendu compte qu'une partie conséquente de sa thèse était en fait une somme de copier-coller qui n'avait pas été référencée et sourcée. Il a été dénoncé par la communauté universitaire. Son titre de docteur, je crois d'ailleurs, a été discuté, même remis en cause. Et en tout cas, il était contraint à la démission. Donc ça concerne des ministres. Ça concerne récemment des directeurs de filières journalistiques. Ça concerne des rédacteurs en chef. Il n'y a pas si longtemps que ça, le rédacteur en chef de Marianne a quand même été condamné par plagiat. Mais ça concerne des profs, ça concerne des ingénieurs, ça concerne des docteurs, ça concerne des étudiants. Et malheureusement, personne. La sanction n'est pas la même, les modes de réaction de l'institution universitaire n'est pas la même. Mais oui, ça concerne vraiment tout le monde. Il y a des formes différentes, des personnes différentes, surtout une inculture sur ce terrain-là,
D'où l'importance de cette rencontre et au fond de cette information ici dans le bâtiment pour alerter, rendre sensibles les étudiants, les enseignants, les chercheurs, qu'ils soient maîtres de conf ou prof, tout le monde est concerné par ça. D'accord. Oui, je vais réagir là aussi en termes de CPCNU. Alors, les enseignants-chercheurs, on est par spécialité, hein, ça s'appelle des sections. Et à chaque fois, il y a un bureau, et dans ce bureau, donc au total, on est 20 à être à la commission permanente et pour être saisi de problèmes plus généraux, et dont le plagiat. Hein. Donc, c'est quelque chose qui nous occupe depuis un petit moment. Parce que de temps en temps, il y a des collègues qui ne savent pas où dire « il m'a plagié hein, », ils ne veulent pas aller jusqu'au tribunal et autres, mais ils veulent que ça reste dans le monde universitaire, et donc on est saisi par ce genre d'affaires. Le problème avec Internet, c'est qu'il y a des logiciels hein, qui détectent ça, mais des fois, les logiciels, ils vont tomber sur notamment de l'autoplagiat. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez publier des petits bouts de votre réflexion dans différentes conférences, et puis quand vous maîtrisez bien le sujet, vous dites tiens, maintenant, d'une manière synthétique, je vais pouvoir publier ça dans une revue. Et pour nous, c'est le Graal hein, d'aller dans les bonnes revues de notre spécialité. Et donc évidemment, vous aviez déjà un peu mis quelques petites choses dans les différentes conférences où vous aviez été auparavant, mais qui étaient de moindre importance. Et puis quand vous allez dans cette grosse revue, et là c'est pour un universitaire, c'est très important de publier dans ces revues-là, ces revues, ils utilisent aussi des logiciels. Et ces revues, à un moment donné, vont vous accepter, puis après vont vous dire non, finalement, on ne vous accepte pas, parce que c'est en pourcentage. Hein. Donc s'il y a un certain pourcentage de phrases et autres qui sont dans un article et dans un autre, eh bien à ce moment-là, on peut vous refuser, alors que c'est de l'autoplagiat, puisque c'était vos travaux. Hein. Et on a été saisi de problèmes de ce genre-là sur des universités françaises où quand deux universitaires sont en conflit, et ben s'il y a un autre qui attaque l'autre en disant « il plagie, il fait des contrefaçons ». Et sur le total, il y a beaucoup d'autoplagiat, ce qui pose vraiment un problème. Ça, l'autoplagiat, c'est notre problème puisque... Suivant les sections, il y en a qui disent c'est malhonnête de republier la même idée à plusieurs endroits, même si on la republie différemment, si on la fait évoluer. Puis il y a d'autres sections qui considèrent que c'est normal, hein, qu'on fait évoluer les idées, puis qu'à la fin on va dans la grosse revue. Voilà. Donc la grosse interrogation c'est le plagiat. Mais juste si on attaque le problème de la sanction, bon peut-être après tu oui, poseras le problème. Comme tu veux. Mais c'est vrai qu'on voit que ça touche partout, quoi, hein, à tous les niveaux, que le débat se joue à tout niveau, quoi. On parle de l'étudiant, du citoyen, du chercheur. Et au niveau national, il y a aussi un débat jusqu'à l'autoplagiat aussi entre les universitaires. On se surveille. Voilà. Et effectivement, on peut, avant de parler des conséquences, quand le plagiat est détecté, on peut peut-être déjà parler de quelles sont les solutions pour essayer d'éviter, rappeler quelles sont les solutions pour éviter un peu de se trouver dans des situations de plagiat. Et puis comment on le détecte. Voilà. Juridiquement, je peux juste sur les solutions. Le principe, c'est pas de reproduction ou de représentation de contenu sans l'autorisation de l'auteur. Voilà, on ne peut pas reproduire une image dans un mémoire ou dans une thèse. On peut pas. Je me souviens des exemples. Hein, j'avais même des collègues qui faisaient dans un colloque sur le droit d'auteur hein, qui avaient illustré leur PowerPoint avec des planches de Gaston Lagaffe. C'est au sens strict interdit par la loi. Je ne peux pas diffuser une image dont je ne suis pas l'auteur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Enfin, bon, les procès sont rares. Enfin, moi, vraiment, d'en faire un business et voilà, comme le téléchargement à des millions d'exemplaires, ça commence à poser un problème économique pour les producteurs et pour d'autres. Comment l'éviter? Ben, la première chose, déjà, il faut le savoir, c'est qu'on peut avoir l'autorisation. Mes étudiants font des travaux régulièrement, ils produisent des vidéos, ils font des sites web, etc. C'est demander l'autorisation des gens. Et on peut très bien imaginer que ce qui est interdit, c'est faire sans l'accord, c'est chercher l'accord. C'est demander à un éditeur, demander à un auteur, à un photographe, est-ce que vous m'autorisez à reproduire telle image ou à reproduire ou à diffuser tel bout de... telle musique, parce que je veux tel morceau de musique pour un... Là, je pense que c'est du classique, et ils ont écrit, j'ai dit, bah, écoutez, écrivez au producteur, vous verrez bien si vous êtes autorisé
à utiliser ça comme un fond sonore. Et dans bien des cas, quand on dit que c'est dans un cadre universitaire, qu'il n'y a pas de business, que c'est pas, que c'est pour un travail d'étudiant qui va être diffusé et vu par 1000 étudiants, il n'y a jamais aucun problème. Je pense à un autre exemple d'une exposition sur des couvertures de bouquins autour de Jules Verne, ce qui est assez souvent. Enfin, là, c'était le centenaire, je ne sais plus si c'était sa mort ou de son décès, enfin, de sa mort ou de son, sa naissance, je ne m'en souviens plus. Eh bien, une couverture de bouquin, ça peut être une œuvre de l'esprit. Eh bien, il y avait 120 couvertures. J'ai dit, vous devez en toute rigueur demander l'accord aux éditeurs pour savoir est-ce que vous pouvez reproduire, donc représenter dans le temps de l'exposition, dans le catalogue, les couvertures. Et sur les 120 couvertures, les éditeurs, je crois qu'il y avait de mémoire, hein, une centaine ont dit, il n'y a pas de problème, faites-le. On est ravis, machin. Il y en avait 5 ou 6 qui ont dit, non, surtout pas. On a payé quelqu'un pour faire la couve. On n'a pas les droits pour eux. Ne le faites pas. Et 5 ou 6 n'ont pas répondu. Donc, dans l'immense majorité des cas, les gens donnent leur accord. Donc, déjà, c'est la première chose, c'est demander l'accord à ceux dont on veut emprunter, même ponctuellement, une image, un dessin, etc. Deuxième solution, c'est la faire soi-même. Dans l'exposition, je vois qu'il y a un moment donné, on reprend un graphique. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le graphique ou c'est les données? Mais les données, on peut très bien les mettre en forme sous d'une autre façon. Pour résumer, au lieu de faire des camemberts, vous faites des bâtonnets. Si vous mettez, on peut aussi réinvestir un contenu ou des données qui m'intéressent. Simplement, je me contente pas de les reproduire bêtement. C'est tellement facile, hein, petit clic et je le reproduis. Mais je prends les données, je les source, ça vient de là, source officielle, machin, et je fais un travail de représentation différente. D'ailleurs, on fait ça tout le temps. On a parfois les mêmes données, on les analyse différemment. Et, voilà. Et puis, dernière chose aussi, sans exclusive, c'est la courte citation. C'est-à-dire qu'au fond, le principe quand même, c'est qu'on ne peut pas reproduire intégralement ou partiellement sans l'accord. Si je prends un article de 12 pages, je ne vais pas le reproduire intégralement, je ne peux pas non plus dire je prends une page, c'est pas grave, c'est une page. Ben non, ça c'est la reproduction totale ou partielle est à proscrire. En revanche, je peux très bien penser ce qu'on appelle une courte citation. C'est-à-dire c'est vraiment sur un article, quelques phrases, mais même quand vous lisez une critique littéraire, le roman fait, 250 pages, et bien sûr, pour exercer mon métier de critique, ou même quand je suis enseignant en lettres, pour commenter une œuvre, pour faire mon poli, ou même faire un article sur tel auteur, bien sûr que je dois même tolérer la courte citation. Et dans le champ littéraire, la courte citation, c'est l'idéal. Mais ce qui veut dire que fondamentalement, ça suppose quoi? De choisir son extrait, de mettre des guillemets. C'est comme la moindre des choses, dire c'est pas moi qui l'écris. Je suis pas Émile Zola, je suis pas Victor Hugo, je suis pas Modiano, j'ai pas eu le prix Nobel de littérature. La moindre chose, c'est respecter l'œuvre de ces auteurs, de mettre des guillemets, de dire c'est monsieur Modiano, c'est publié en tel éditeur à telle année, et c'est bon, et on est tranquille. Vraiment, il faut assumer ça. Et dans un mémoire de recherche, qu'on soit en informatique, en lettres, en histoire, etc., il faut juste prendre la. Je dis, mais c'est. À même d'être du droit, c'est de la politesse. C'est de la politesse, simplement. C'est juste prendre le soin de saluer le travail intellectuel fait par d'autres. Et ça suppose... Génial, ton travail. Est-ce que je peux le réutiliser, comme on dit des fois? Oui, c'est, au niveau littéraire, c'est plus facile. Au niveau musique, donc on a eu le cas, nous, puisque le festival des Eurockéennes, qui se tient ici tous les ans, pour ses 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus, nous avait demandé de faire un CD avec de courts extraits de tous les groupes qui étaient venus aux Eurockéennes depuis le début. Alors on a pris il y avait une flopée d'avocats qui se sont penchés sur le sujet, parce que l'idée c'était de dire en musique, qu'est-ce que c'est qu'une courte citation, hein, c'était parce que ça faisait un paquet de groupes de rock et autres qui étaient venus, mais après demander au groupe pour avoir le droit de mettre une partie de leur morceau de musique dans le CD, on savait savoir à qui s'adresser, les histoires de droits d'auteur là-dessus c'était pas possible, et donc on est quand même arrivé à donc c'était en termes de temps, quoi, hein, en musique, c'est-à-dire le temps du morceau de musique qui fait que c'est de la citation ou c'est de la reproduction, quoi. Et donc on a pris le risque et on a sorti donc ce CD en mettant dedans des très très courts moments qui donnaient une impression sur le morceau qui correspondait au groupe qu'on citait. Et puis on n'a pas eu d'ennui parce que c'était très court, quoi. Oui, mais il y a des producteurs qu'on ne savait
pas trop qui c'était. Hein. Il y a des groupes assez anciens qui s'étaient dissous, on ne savait plus qui c'était. Bon, ça a marché, on n'a pas eu d'emmerde. Pourtant, il est sorti en beaucoup d'exemplaires. Bon, je vous remercie d'avoir, en tout cas, redit comment, quelles sont les bonnes pratiques. Il faut savoir aussi que dans le cadre des universités, là, je prends ma casquette de directrice du SCD, les enseignants nous demandent, dans le cadre des formations, à la méthodologie de recherche, de revoir un peu comment on référence les sources qu'on utilise. Eric en a évoqué, hein, la mise sous guillemets, quand des extraits, etc. Parce que il semblerait que pendant les premières années d'études, dans le cadre d'exceptions pédagogiques, je ne sais pas, on a l'habitude de ne pas citer ses sources, on fait ça vite. Et puis, dès qu'on arrive au niveau master ou thèse ou publication, et là, on se découvre qu'on n'est pas qu'entre nous et qu'il faut, il faut vraiment apprendre dès le départ, respecter, voilà, et apprendre à rédiger avec, en faisant une citation quand on utilise du travail qu'on a récupéré. Alors, le problème, c'est que des fois, on récupère et puis après, on a oublié, on n'a pas noté les références. Il faut vraiment aussi prendre l'habitude de, pendant le travail, de récupérer ses références, même dans un logiciel de bibliographie qui permet après de faire des citations assez pratiques, d'une manière assez pratique, de prendre ses habitudes. Et ça, je pense qu'ici, dans pas mal de cours où il y a déjà des enseignants qui le préconisent, et puis nous, on y participe aussi. Donc un peu de formation, un peu de prévention, puis commencer à apprendre petit à petit, ne pas attendre effectivement d'être au niveau master pour se rendre compte qu'il faut bien citer ses sources. En plus, en général, c'est apprécié de dire que voilà, on a lu, on a travaillé, on a pris conscience qu'on a récupéré ce travail-là. Donc, en général, c'est bien noté. Donc, c'est un bon conseil. Voilà. C'est Didia. Et donc, oui, toujours dans la continuité pour dire que lutter contre le plagiat, c'est d'abord une culture à avoir. Et une culture surtout qui s'apprend, qui se transmet, bien sûr, via les enseignants pour les étudiants. Il faut les initier à faire, voilà, justement, à travers toutes les formations, à faire de la citation. Et que oui, on a le droit de réutiliser les ressources des autres, heureusement, parce qu'on s'enrichit en reprenant les idées des autres et les travaux des autres. Sinon, la recherche ne sert à rien. Et à partir de là, donc un bon référencement, ça ne pose aucun problème. Et toujours dans la politique, donc pour lutter contre le plagiat, et l'UTBM s'est muné donc d'un logiciel, on s'appuie d'un outil informatique qui nous aide à la détection de plagiat. Alors on dit un logiciel anti-plagiat, on parle mieux pour mieux définir les choses, on va parler c'est des logiciels de détection de similitudes. En fait, qui se base donc sur des algorithmes informatiques qui nous permettent d'analyser un travail, que ce soit un mémoire ou un simple devoir, voilà, ou un travail plus un article de recherche, à l'analyser en le comparant avec des ressources disponibles sur Internet, et à partir de là dire si oui il y a ou pas des similitudes avec d'autres travaux. Bien sûr, le logiciel qu'on utilise à l'UTBM depuis peu, c'est un logiciel qui s'appelle Compilatio, qu'on a choisi parmi d'autres logiciels anti-plagiat parce qu'il répond mieux aux besoins du milieu universitaire notamment. Et le logiciel, donc, il est accessible pour les enseignants et pour les étudiants. Alors, pour les étudiants, il est accessible via la plateforme Moodle. Et puis, pour les enseignants, via la plateforme Moodle et via le site, du logiciel lui-même. Ce logiciel ne permet pas de détecter le plagiat, comme je l'ai dit, mais il permet de détecter les similitudes et à partir de là, donc, de dire « oui, je vais aller plus loin » dans la recherche de s'il y a, oui ou non, un plagiat sur le travail. Bien sûr, ça présente des inconvénients. Entre autres, il y a parfois, il détecte notre propre travail qu'on a diffusé dans un autre contexte qui est disponible sur Internet. Et que, mais il y a aussi, on ne peut pas lier à ça en définissant le seuil, sachant qu'on peut jouer sur le seuil de similitude qu'on choisit. On peut le paramétrer, mais je pense que c'est quand même un indicateur intéressant. C'est un outil. Hein, et voilà, c'est vrai qu'on voit que c'est utilisé soit Compilatio, qui est une
assez bonne réputation dans nos disciplines. Dans le milieu universitaire, voilà, oui. Dans nos disciplines aussi. Mais on a vu dans l'histoire de la journaliste, là, renvoyée cette semaine pour plagiat, qu'on cite des outils libres. Hein. Donc, effectivement, oui. Comme disait Eric, c'est plus visible maintenant, mais ce ne sont que des indicateurs. Mais ils existent quand même. Ce qu'il faut signaler, que ça fait partie d'une culture qui est anti-plagiat. Ce n'est pas l'outil qui va nous aider à lutter contre le plagiat, mais c'est vraiment, ça fait partie d'un ensemble de pratiques. Voilà. Et puis dans le prolongement, c'est un outil parmi d'autres, hein, mais il faut quand même aussi que les étudiants peut-être qui nous regardent ou qui vont nous écouter, je ne sais pas quelle forme prendront les choses, il y a quand même une menace quand même derrière. C'est pas juste pour... là, c'est un outil préventif, mais il faut quand même savoir quand un étudiant ou même des enseignants plus capés, etc., le risque, c'est quand même que le mémoire ne soit pas... Un étudiant qui ferait un mémoire de recherche et qui serait surpris par cet outil, c'est pas l'outil qui fait tomber la sanction, mais c'est de ne pas avoir son mémoire, donc de ne pas avoir son année. Un doctorant, moi c'était le cas d'un doctorant il y a 5 ou 6 ans, on s'est rendu compte à la lecture, sans avoir à l'époque de logiciel, qu'on reconnaissait dans le texte des pans entiers de choses qu'on avait lues nous-mêmes par ailleurs. Et ben, ce monsieur a travaillé pendant 3 ans, il n'a pas été autorisé à soutenir sa thèse. C'est-à-dire que quelque part, c'est quand même ça. C'est-à-dire c'est sans parler de procès et de contentieux. C'est-à-dire qu'on peut, voir ses études arrêtées, on peut voir sa carrière universitaire arrêtée, on peut voir son évolution de carrière, je pense au plus capé. C'est ce qui se passe dans les commissions nationales. On a des carrières s'arrêter, on peut même être rétrogradé. Donc, je veux dire, c'est faut le savoir. C'est pas un jeu, quoi. C'est la création, le monde universitaire, c'est fondé sur le principe du partage et des échanges de savoir. Ça fait des siècles que c'est comme ça, mais ça doit se faire dans le respect du travail des uns et des autres. Et donc, c'est soit je m'en accorde d'eux, soit je cite correctement, soit je réinvestis le sujet et j'en fais autre chose. Parce que au fond, quel est le seul critère, une fois qu'on a mis les choses en forme, pour dire que ça vaut protection? On dit souvent, mais il faut déposer. Non, il n'y a pas de condition de dépôt, il n'y a pas de copyright office en France. Il faut que le caractère, c'est le caractère original. En cas de contentieux, le juge va dire, est-ce que ça, si c'est du plagiat ou pas, le seul critère qu'il va avoir, c'est le caractère original de la création. Donc, et original, c'est quoi? C'est investir intellectuellement un sujet. Donc, prouvez-moi que la carte, apparemment, si l'IGN, je ne sais plus si l'IGN a réagi, elle a considéré que... Elle a considéré l'IGN, mais ça se discutait, ça se discute potentiellement. C'était pas assez original, c'était un fond, ils ne sont pas cassés la tête, j'ai mis des trucs et ça ne se voyait pas. Voilà. Mais peut-être qu'un juge pourrait considérer que non, la carte a été légèrement travaillée, machin. Mais en tout cas, la clé, c'est l'originalité. Mais en tout cas, surtout, je veux dire, c'est que les sanctions ne sont pas nécessairement juridiques, les sanctions sont morales. Les sanctions peuvent être dans la carrière. Voilà, ma vie d'étudiant s'arrête. Une mauvaise réputation. C'est une triche. Mais c'est ça, c'est fondamentalement le plagiat. Au sens juridique, c'est une contrefaçon. C'est une contrefaçon, c'est un délit. C'est un délit. Donc quand on plagie, on triche. On triche. On triche intellectuellement. Donc le risque, c'est ça. C'est ne pas être autorisé à présenter son mémoire. Et ton master, tu l'as dans l'os. Le thésard, c'est 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans de boulot. Mais au bout du compte, tu n'as pas ta thèse. Donc c'est quand même... Il faut quand même prendre ça très au sérieux. Et il suffirait effectivement qu'il y ait une plus grande vigilance, qu'il y ait une plus grande attention des uns et des autres dans le temps de la formation pour que ça n'arrive pas. C'est vrai que c'est tellement facile, c'est tellement en échange, c'est sur le web, je me sers. Mais merde, la recherche, c'est pas on n'est pas au flunch, quoi. C'est pas un libre service. Il faut quand même... on bosse, quoi. Et il faut montrer qu'on a bossé. Il faut montrer il faut exhiber un travail original. Donc oui, on s'est tous nourris du travail des autres. Mais nous tous, les jeunes comme les aînés qui sont là. Oui, mais sauf que nous, on a fait autre chose. Et ça devient une création. Et maintenant, on demande le respect. C'est ça, l'idée. Je pense que ça s'apprend tout au long des études. Dès qu'on rend un devoir, et que l'enseignant s'aperçoit que le travail a été copié sur le voisin, ça commence même au primaire. c'est 0 pour les deux, etc. Voilà. Peut-être avant qu'on donne la parole à ceux qui sont là devant nous pour voir s'ils ont des questions, on est en train de parler des sanctions, etc.,
des risques encourus. Est-ce que vous avez encore des compléments à donner là-dessus? Oui, monsieur. Oui, ben, donc nous, au niveau universitaire, le risque, c'est que déjà par rapport aux commissions d'avancement, hein, il est clair que nous, ça se passe avec le nombre de publications. Et le problème, c'est que les publications où il y a un doute, eh bien, elles ne sont pas prises en compte, tout simplement. Hein. Donc, une grosse publication qui n'est pas prise en compte, ça peut poser de gros problèmes dans la carrière de quelqu'un. Et puis, d'autre part, il y a l'autre garde-fou, c'est les éditeurs. C'est-à-dire que les éditeurs de grosses revues en ce moment, très connus et mondialement connus, vont forcément utiliser les bons logiciels pour voir si tous les articles qui arrivent sont plagiés ou pas. Alors, c'est le même logiciel qu'ils utilisent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre la décision, eux, tout de suite. Hein. Donc, ils vous renvoient, quand ils ont un doute, ils vous renvoient un questionnaire où vous devez justifier. Hein. Et des fois, c'est acceptable. Hein. Justement, quand il y a des autocitations ou des autres travaux qui ont été faits, donc ça tourne sur nos travaux même, et qu'eux, ils réagissent qu'au pourcentage. Hein. S'ils disent ce texte, il y a une similitude avec un autre texte à plus de 40%, eh ben, il vous pose la question. Et justifiez pourquoi ce texte est similaire. Alors, si vous dites que c'est justement un travail sur une conférence ou dans un cours avant, machin, tout, et à ce moment-là, ils comprennent. Parce que ce n'est pas si évident que ça. Quand on écrit un article, il y a des choses qu'on réutilise. Hein, par exemple, même si après, même si on a inventé quelque chose de nouveau, quand on pose le problème au début, l'introduction et tout, on va évidemment, c'est nous-mêmes qui nous autoplagions, donc on repart un peu sur les mêmes choses. Et donc, à un moment donné, il peut y avoir beaucoup de similitudes parce qu'on a l'habitude de travailler sur la conclusion, l'introduction. Et par contre, là, dans un article, ce qui est très important, évidemment, c'est l'idée. Alors, il ne faut pas que l'idée... mais autrement, donc on peut justifier quand même par rapport aux éditeurs. Bon, je crois qu'on a déjà fait un large tour de la question. Hein. Qu'est-ce que le plagiat? Comment on peut essayer d'éviter? Quels sont les risques encourus? On peut peut-être passer la parole à la salle, à moins que tu veuilles... Oui, juste un petit point pour compléter. Il y a par contre des points, par exemple, où les logiciels anti-plagiat sont assez limités. Par exemple, quand il y a, par exemple, la traduction d'une thèse, où voilà, à ce moment-là, on est vraiment très limité. Il y a beaucoup de plagiat dans ce sens-là. Il faut dire que celui qui va sur Internet ou qui a, disons, l'idée de, il part avec l'idée de faire du plagiat, ils sont souvent assez créatifs dans leur démarche. Et là, c'est assez difficile à détecter. On parle des gens qui font du plagiat, mais il ne faut pas oublier quand même que les victimes de plagiat peuvent aussi, des fois, se manifester. Hein. Ouais. J'ai lu un exemple là, d'un jeune qui avait fait un master, un mémoire de master, qui a été complètement plagié par quelqu'un qui s'en est servi pour faire sa thèse. Là, ça a été en justice. Hein. Et effectivement, cette personne, qui était la femme d'un professeur, a eu des sanctions pénales assez importantes. Hein. Voilà, donc on peut parfois aussi être victime de plagiat et porter ça soit à règlement dans l'université, ce qui est le plus sain, c'est-à-dire que c'est à nous d'appliquer en interne des règles et puis de pénaliser ou d'arrêter ce genre de pratique parce que sinon ça dévalorise tout le monde, tout le travail. Mais en cas de vol comme ça, c'est un vol, on peut aussi porter ça jusqu'à avoir qu'on vous rende justice sur votre travail. Mais juste pour revenir à ce que tu as dit au démarrage, après, derrière ça, il y a aussi l'idée. Et l'idée, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Voilà, l'idée libre de droit. Donc là, c'est à soi-même de ne pas en causer trop tant qu'on ne l'a pas couché. Hein, là, je vois sur les algorithmes génétiques, par exemple, qu'utilisent beaucoup les chercheurs en ce moment. L'idée intéressante, c'est de trouver un exemple qui va bien, puis de le traduire en informatique. Par exemple, pour tout ce qui était sécurité sur les réseaux, la bonne idée, c'était de dire on va regarder comment se protège le corps humain
d'infection des virus, hein, et puis appliquer ça pour la protection des réseaux. Les réseaux d'informatique, au début, on avait juste une machine centrale qui faisait la sécurité, et en prenant comme exemple les systèmes immunitaires du corps humain, on s'est rendu compte que le globule blanc, pour protéger le corps, il ne va pas demander au cerveau l'autorisation d'aller bouffer le microbe quand vous vous coupez le doigt. Il va le bouffer le microbe, puis après, vous avez d'autres moyens pour avertir l'unité centrale, c'est-à-dire votre cerveau, qui vous venez de vous couper le doigt. Hein, vous voyez, il y a tout un tas de choses. Donc, à un moment donné, ce qui est important, c'est la personne au démarrage qui dit, tiens, ça, c'est une bonne idée de prendre cette histoire de système immunitaire et je vais traduire ça sous forme informatique. Mais c'est le gars, quand il pense à ça, son problème, c'est de ne pas trop en causer, puis, ou d'en causer qu'avec les gens à qui il a confiance, parce qu'après, il peut se faire piquer l'idée. La première personne qui a essayé aussi la même chose, qui a vu que les colonies de fourmis avaient des techniques pour aller trouver de la nourriture et s'est dit, tiens, on va mettre ça sous forme informatique. Voilà. Donc, mais ça, les idées, là, c'est pas protégeable. Ça. Les idées sont libres de droit, effectivement. Il faut faire attention, même si après, elles peuvent être travaillées d'une manière très, très différente. Non, mais c'est important, puis ça vaut pour toutes les sciences. Hein, parce que heureusement que les idées sont libres. Surtout là, ici, qu'on a des... On peut s'intéresser, et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de la pensée, on voit bien qu'on peut très bien être intéressé pour différentes raisons à tel mécanisme biologique ou autre. Ce qui va faire la différence, et on dit souvent, il m'a piqué mon idée, mais non... T'as rien dit. Enfin, juridiquement, ça n'existe pas, piquer une idée. Mais ce qui va faire la différence, tu l'as parfaitement dit, c'est une fois que j'aurai investi le champ de recherche, qu'est-ce que je produis? Et c'est la production concrète de là. Mais on peut très bien imaginer que sur un même sujet de recherche, on puisse avoir des résultats différents. C'est vrai qu'on essaie d'être discret à ce moment-là, si on a une bonne idée, mais on ne peut pas protéger les idées. Hein. On ne peut pas les taguer, les idées, on ne peut pas les marquer, on ne peut pas faire, je sais pas, comme un chat, faire pisser autour et puis faire son territoire. Ce n'est pas possible. Et heureusement que les idées sont libres. Ben après, on fait attention, on n'en parle pas trop, on en a un petit bout à un colloque ou une petite conférence. Mais après, c'est la compète. Après, c'est la vraie compète. Et c'est aussi ça qui est vachement intéressant dans la recherche. C'est qu'il y a une émulation aussi de travers les rencontres. Je vous remercie. On arrive en conclusion sur le résumé de la fin de l'exposition qui termine là-dessus d'ailleurs, en disant qu'il y a une libre circulation des idées. C'est seulement la forme qui est protégée, etc. Bon, je passe la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires, des petites interrogations? Il y a un micro à votre disposition. Mais... Je crois qu'il faut parler près. Je ne l'ai pas toujours fait. Mais... moi, je voulais savoir... comment est-ce qu'on peut définir la limite entre le plagiat ou la contrefaçon et l'inspiration? Par exemple, dans un travail de recherche, imaginons qu'on ait lu un livre, on se dise l'idée est très bonne, etc. Elle serait très intéressante à exploiter et on veut le mettre dans notre propre travail de recherche. Le problème, c'est qu'on risque de se retrouver à redire parfois les mêmes choses qui sont dans le livre. Et on pourrait être accusé de plagiat alors qu'en soi, on n'a fait que réutiliser l'idée et même peut-être la remettre en forme ou étendre le concept. Et ça, c'est pour un travail de recherche, mais je pensais également à l'étendre sur des œuvres aussi. Par exemple, si on s'inspire d'une œuvre déjà existante, pour en créer une nouvelle, un livre, un dessin, une musique, une peinture. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'originalité, c'est parce que dans le monde des brevets, c'est fastoche, enfin, l'invention, c'est des critères objectifs. C'est le premier qui invente. C'est pour ça qu'on dépose c'est l'objet d'un dépôt. Dans le droit d'auteur, le seul critère, c'est l'originalité et c'est une notion subjective. Et alors, pour répondre, je ne vais pas botter en touche, hein, mais je vais quand même prendre des exemples. Mais en fait, de fait, en cas de litige ou de discussion autour, est-ce que c'est original ou pas, les seules personnes compétentes pour le dire, c'est le juge. Enfin, si vous voulez avoir une réponse vraiment à votre question, il faudrait jusqu'au bout de votre... faire ma recherche, faire mon truc, etc. Et si quelqu'un râle, si monsieur n'est pas content, ben, il faudra régler ça devant le tribunal. Parce qu'il n'y a pas de définition du caractère original. Mais je pense même un exemple, si pour me faire comprendre, et même les juges ne sont pas toujours d'accord sur cette définition.
ils prennent des experts, ils regardent, je sais pas, enfin, je pense à, c'est pas très scientifique, mais peu importe, hein, Régine Desforges qui a écrit un bouquin qui s'appelle La bicyclette bleue. En fait, il y a un procès des ayants droit de donc Margaret Mitchell, qui est auteur d'un roman qui s'appelait Autant on emporte le vent. C'est la même trame, c'est la psychologie des personnages, la même effectivement, puisqu'au fond, dans un cas, c'est la guerre de sécession, fin 19e, dans l'autre, c'est l'occupation, etc. Les uniformes n'ont pas la même couleur, le pays n'est pas le même. En première instance, les juges donc, ont pris les deux bouquins, ils ont regardé. En première instance, Régine Desforges a perdu le procès et en appel, elle a gagné. Pour vous dire à quel point même les juges eux-mêmes, parfois, peuvent avoir une appréciation différente de la situation. Donc c'est le caractère original. Mais vous avez raison, enfin, si je prends l'exemple même d'Andy Warhol, par exemple, un peintre, quand on regarde, je pense à son tableau sur la boîte de Coca ou je sais plus, la boîte de sauce tomate ou que sais-je, on aurait pu imaginer peut-être même que l'industriel dise « mais attendez, vous avez reproduit de façon... » Mais non, sauf que lui, on a fait une création originale. Voilà, et là c'est le caractère, c'est une création qui, conceptuellement on dit, il faut qu'elle soit la marque, l'empreinte intellectuelle de l'auteur. Il faut témoigner à la fois d'un investissement intellectuel, vous avez su dépasser quelque chose, mais c'est comme les musiciens quand ils mixent, quand ils remixent. C'est quoi un remix? Jusqu'où je peux aller sans me trouver qu'un procès avec l'auteur de la création originale que j'ai remixé? J'ai changé la ligne de base. Qu'est-ce que j'ai? Et là, il y a des procès. Il y en a assez souvent. Ben, on sort de la recherche universitaire, mais dans le monde musical, il y a beaucoup de procès assez régulièrement. Parce que où ça s'arrête? Où est-ce que c'est simplement je revisite une œuvre, je la réinvente, je la réinvestis. Et la limite, c'est le caractère original. Et c'est une notion subjective et c'est vraiment difficile à évaluer et la réponse c'est soit c'est des commissions d'experts au niveau universitaire et puis on a nos critères, hein, soit ça peut monter jusqu'à un procès et c'est le juge seul qui pourra vous dire qu'est-ce qu'il en est de l'œuvre originale, de son caractère ou pas original. C'était une très bonne question. Traduire ça suffit pas. Se dire je prends la thèse d'un doctorant, j'ai dit n'importe quoi, colombien, je vais la traduire, je vais changer un peu le plan. Moi, je me méfierais, quoi. Je veux dire, si jamais ça c'est, ben, on va regarder vraiment le plan. Est-ce que c'est le même? Mais un exemple aussi de la complexité, un ouvrage scolaire, hein, finalement, quand on y réfléchit, le programme scolaire, il est le même partout. Hein, c'est le même partout. Or, il se trouve qu'au même moment, au mois de septembre, au mois de juillet, au mois de septembre, on a Attier, Hachette, je ne vais pas tous les citer, publie tous un même bouquin pour traiter un problème scolaire, avec des thématiques imposées. Sauf que quand vous regardez les ouvrages scolaires les uns à côté des autres, d'ailleurs c'est ce que font les profs pour les choisir, il y a bien des différences. C'est-à-dire que le même sujet, la même thématique, je ne sais pas, je dis n'importe comment, le problème de terminal d'histoire, il y a un programme. Vous voyez bien que quand vous prenez les bouquins côte à côte, chacun va le traiter à sa façon. C'est graphique, c'est le choix des sujets, des chapitres d'illustration, des images, de la façon d'attaquer le papier, etc. etc. Et ça fait, et jamais les éditeurs ne se sont fait procéder entre eux. Et pourtant, c'est la même idée, c'est le même principe qui va structurer tout un bouquin. Et il n'y a jamais eu de procès en un siècle entre eux. Ce qui montre bien qu'on peut très bien investir une même question, un même sujet, de façon différente. On va regarder l'architecture, le plan, l'iconographie, etc. pour dire est-ce que cette œuvre suffit à se distinguer des autres. Je ne sais pas, j'ai répondu à la question. Oui, on peut dire. Je pense que quand même, pour revenir vraiment plus dans un travail universitaire, si vous partez d'un livre qui vous a vraiment inspiré et que vous n'êtes pas dans une création, etc., mais des réflexions ou des commentaires, là, obligatoirement, il est important de le citer. Même si vous voulez, vous, aller plus loin et en faire une analyse, un commentaire. Et puis après, si c'est une création et un travail qui va beaucoup plus loin, là, on a eu tous les exemples cités par Eric. Mais la question, je trouvais très intéressante. Qu'est-ce que c'est que l'originalité d'une création? Tu as parlé des brevets. Je vais rebondir là-dessus, puisque j'ai six brevets. Et puis, à un moment donné, j'ai toujours fait des brevets avec les entreprises, parce que les entreprises, elles sont très à cran là-dessus, et dès qu'il y en a une autre qui va faire la même chose qu'eux, hop, ils attaquent. Puis à un moment donné, on s'était dit à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, ce serait bien qu'on ait nos brevets aussi.
Et donc, c'est là que les problèmes ont commencé, parce qu'il y a deux parties. Il y a le dépôt de brevet, et puis après, il faut tenir son brevet, c'est-à-dire faire de la veille, et puis si jamais quelqu'un utilise les mêmes choses, lui dire, et puis en général, pareil, les brevets, ça finit jamais au tribunal, sauf sur les grosses boîtes, mais autrement, il y a toujours un consensus, il y a une entreprise qui donne un peu d'argent à l'autre, ainsi de suite. Et nous, ici, on a déposé un brevet sur un truc tout bête, c'est dans des boîtes médicales qui servent à opérer les gens, ces boîtes médicales sont stérilisées. Et les infirmières n'avaient aucun moyen d'être sûres que la stérilisation était bonne dans la boîte. Et donc, nous, comme on travaillait à l'époque justement sur tout ce qui était signature électronique et signature, dans la maison, il y a des gens qui sont capables de faire de la peinture qui s'évapore à un degré près. Donc, on a mis une signature sous forme de code barre dans la boîte. Et si la boîte atteignait la bonne température et qu'elle était stérile, à ce moment-là, il ne restait plus la signature, flash code, pas de code barre. Et par contre, si les instruments à l'intérieur n'avaient pas atteint la bonne température, le flash code restait dedans, et donc l'infirmière voyait ça, et on pouvait après remonter au problème de stérilisation. Ce brevet, on l'a déposé, mais en fait, on ne l'a jamais soutenu. Donc, il y a tout un tas d'autres gens qui l'utilisent maintenant. Mais donc, là, c'est pareil. Hein, le plagiat, si jamais, comme dans les brevets, hein, après, si, il faut aussi que l'auteur aille voir aussi ce qui se passe, suivre ses textes. D'autres exemples, donc, dans le milieu de l'industrie et des ingénieurs. D'autres questions dans la salle ? Je me demandais, sur Internet, tous les documents circulent énormément. Comment on peut remonter à l'auteur originel quand on fait une recherche, par exemple, sur Google Images ou autre ? Ça rejoint, c'est à peu près le même type de réponse qu'on va avoir. C'est difficile à déterminer qui est l'auteur originel, mais comment on peut contourner ça finalement, c'est d'aller directement dans les sites qui sont fiables pour la recherche, par exemple scientifique. On va aller dans la bibliothèque des articles pour puiser, notamment à l'UTBM où toutes les universités françaises et autres sont abonnées à des bases de données documentaires. Et à partir de là, on est sûr d'être sur la bonne référence. C'est une manière de contourner parce qu'effectivement, on ne peut pas savoir d'où vient par exemple un article qu'on trouve intéressant sur un blog publié par un étudiant ou par n'importe quelle personne, puisqu'on a la possibilité de tout publier sur le net. Donc effectivement, le choix, là où je vais aller chercher mes ressources, c'est une façon d'être sûr que je ne vais pas tomber dans le plagiat, puisque je suis sûr que je vais trouver les bonnes références. Mais pour identifier un auteur, effectivement, voilà. On mène une espèce d'enquête parfois. Hein. Voilà. On va regarder dans les propriétés de l'image, on va croiser ses sources, on va rechercher l'auteur dans des sources qui sont plus fiables pour voir si, etc. On écrit, si on a vraiment peur, on demande l'autorisation, on va écrire au responsable du site, etc. Il faut effectivement parfois se méfier, mener une vraie enquête. Et parfois, on ne trouve pas. On n'est pas sûr du tout. Dans ce cas-là, si c'est pour publier, il faut mieux arrêter tout de suite hein, et trouver d'autres sources. Il y en a tellement qu'on en trouve d'autres. C'est ce conseil que je vous donnerai. Ce qui est bien, c'est de s'inspirer de ce qui est sur Internet, mais de savoir où aller chercher la bonne information et les bonnes données, finalement. Mais on peut toujours s'inspirer de tout ce qui est sur Internet, ou construire un très bon plan de travail en consultant Wikipédia, en consultant les blogs. Mais après, il faut savoir aussi aller chercher l'information dans sa source. Dans des sources plus académiques ou dans des sous-ensembles d'Internet, en croisant, bon, c'est des choses qu'on apprend aussi ici pendant ses études, les méthodes de recherche. Voilà. Je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière. Un tweet, par exemple, est-ce que c'est vraiment, si quelqu'un qui met un tweet, si vous reprenez ce que le gars a dit en tweet, est-ce que c'est sur copyright un tweet hein, c'est, on peut se poser cette question-là. On peut aller plus loin. À l'heure actuelle, quand on passe par les réseaux sociaux en place américains, hein,
Il faut savoir que là, il y a quand même un travail qui est fait par Facebook, par Twitter, où ils vont reprendre des choses. C'est eux qui tiennent le monde avec ça. Hein. C'est pour ça que maintenant il y a beaucoup de gens qui sont sur le logiciel libre, qui sont sur la protection de données. On a eu une très bonne conférence ici la semaine dernière. Sur cette idée-là, où on dit pourquoi passer forcément par Facebook, par Twitter, par LinkedIn et autres, et pourquoi pas avoir géré ses propres données. Donc là, ça va plus loin, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il faut voir que Facebook, Twitter et autres, ils considèrent qu'à partir du moment où c'est passé chez eux, ça leur appartient. Hein. Voilà. Donc si vous réutilisez, vous réutilisez le contenu de plusieurs tweets de suite ou de plusieurs textes qui ont été écrits par les gens sur Facebook et autres, je dirais qu'il y a un vide juridique pour le moment. Hein. Puis après, ça dépend. Et puis tout ça, à la fin, on sait où on va quand ça va passer devant le juge. Parce qu'après, il va y avoir un jugement derrière. Hein. Si tu veux bien. J'insiste, hein, si vous n'avez pas à identifier la source, abstenez-vous. Enfin, franchement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que pour éviter les ennuis, c'est à un moment donné, si vous ne savez pas si c'est protégé ou pas, si c'est libre ou pas, d'où ça vient, etc., ne l'utilisez pas. Hein, n'en faites pas référence parce que ce n'est pas sourcé, donc ça ne fonctionne pas. Si vous ne savez pas si c'est protégé ou pas, dans le doute, abstenez-vous. Hein, et ce n'est pas parce que c'est sur le web qu'on peut aller piocher dedans librement. Voilà. Et deuxième chose, mais c'est vrai, c'est même pas croiser les sources, c'est creuser ce filon-là pour voir où est le document original. Et je vous donne ce conseil, si vous êtes une jeune, je sais pas, enfin, regarde votre âge, une jeune étudiante, c'est le conseil que je donne à mes étudiants, c'est souvent, c'est que c'est la facilité, c'est de prendre la synthèse d'un rapport, par exemple, parce que il y a un rapport qui est en ligne sur un blog ou dans un article de presse, un rapport qui fait 50 ou 100 pages, et ça devient un texte synthétisé par un journaliste spécialisé d'une page. C'est tellement plus facile de dire, je fais croire que j'ai lu, en fait j'ai juste lu l'article en question. Mais c'est doublement dommage, parce que la synthèse, elle ne donne qu'à voir qu'une partie du rapport, et le rapport, quand on l'a vraiment en main, et souvent, si les journalistes font ça proprement, je prends l'exemple des journalistes parce que moi je travaille dans les médias en particulier, le rapport original est vachement plus intéressant. C'est-à-dire que le journaliste, il cherchait une chose dans le rapport. Le rapport, il est composé de 5 parties. En fait, quand on regarde souvent, il se fait une synthèse de la première partie et pas des 4 autres. Donc même vous, intellectuellement, ça vaut le coup d'aller chercher le document original parce que la lecture que vous en ferez, ça sera certainement différent de la synthèse que le blogueur, que l'étudiant ou même l'expert. Un expert, il est expert sur une chose. Or, souvent, les documents qui sont des documents sources sont bien plus denses, bien plus riches, bien plus intéressants, et ça vaut le coup de s'y coller. Bon, si vous ne les trouvez pas, n'en faites rien. Mais si c'est possible, allez-y. C'est vraiment intéressant, je pense, intellectuellement. Et du coup, vous pouvez réinvestir cette matière première avec vos centres d'intérêt, avec votre fil conducteur, et ça vous amènera sans doute à des choses bien plus intéressantes que le ressucé ou le truc que le blogueur a fait, quoi. Parce qu'il est, lui, il est connu pour s'intéresser à ça, il a trouvé un truc intéressant, il le rapporte à sa sauce, mais c'est sans doute pas nécessairement ce que vous cherchez, et vous risquez de passer à côté quelque chose. Et c'est dommage. Donc oui, il faut vraiment aller creuser votre... C'est quand même, oui, un travail de recherche, il faut creuser le truc, le retrouver, et tout d'un coup, il y a un monde qui va s'ouvrir à vous. Vraiment, vraiment. Très bien, un monde qui s'ouvre. Encore une question ? Moi, je dirais qu'on est dans une phase d'inspiration et en creusant, on sera dans la phase d'original, de la recherche de l'originalité. Mais en fait, ma question est de porter plus sur les documents, les images, les graphiques, puisque je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de faire une recherche comme ça d'images libres de droit, et j'ai toujours fini sur Wikicommons, et je ne sais pas si c'est vraiment si ça appartient vraiment à Wikipédia au départ ou pas. Sachant que ce qui est en général sur Wikipédia, je n'ai rien contre Wikipédia, j'aime bien le contraire, mais sachant que c'est du web participatif, et l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse publier sur Internet, à partir de là, on perd le contrôle sur l'origine des ressources.
Et c'est pour ça que ce n'est pas une ressource, ou je dirais, voilà, ce n'est pas un site très fiable pour une recherche scientifique. Même si au niveau de la structure et que pour s'informer, c'est vraiment excellent comme site, mais voilà, ça a ses limites, et parmi ces limites, c'est ça. On est vraiment dans de la publication collaborative, participative. Il n'y a aucun moyen, finalement, même si c'est référencé par moment et qu'on peut remonter à partir de Wikipédia, mais on n'a pas toujours, on n'est pas sûr. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais s'agissant de l'image, il vaut mieux partir des bases de données d'images qui sont connues, enfin qui sont référencées, connues comme étant mettant à disposition des images libres de droit. Et elles sont taguées, elles sont taguées. Enfin, je ne sais pas si c'est l'expression consacrée en informatique, mais il y a un marquage. On est dans le copyright, non pas dans le copyright, dans le copyleft, dans les licences Creative Commons, qu'il s'agisse de musique, de son, d'image ou de texte. Il y a quand même dans l'univers Creative Commons une masse assez considérable d'images. Et vous les reproduisez à l'identique. Enfin, il faut respecter la règle, hein, c'est reproduire à l'identique, pas d'usage commercial. Donc, mais il y a toute une série de quatre petits logos à utiliser. Allez voir là si c'est vraiment ça qui vous intéresse, c'est savoir si je peux la prendre sans avoir de soucis. Mais si c'est pas le cas, abstenez-vous. Parce que c'est pas parce qu'une image, on ne sait pas d'où elle vient, parce qu'elle est là, sans trop savoir d'où elle vient, qu'on va se dire je la reprends, je la reproduis. C'est dommage, non. Donc il vaut mieux, dans ce cas-là, si je commence à comprendre la question, donc sur l'image en tant que telle, si vous ne savez pas si elle est libre ou pas, allez vraiment dans les sites spécialisés, dans des bases de données, il y a des millions d'images, hein, enfin, libres de droit, reconnues comme telles, taguées en tant que telles, prenez ça. Mais autrement, non, évitez, je crois. Enfin, c'est vaut mieux éviter de clic droit, je reproduis, machin, je m'en prends pour mon exposé, pour mon mémoire, machin. Évitez. Oui, prenez le droit où on connaît l'auteur et on l'a contacté et on est autorisé. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'autre alternative. Et il y a quand même des fonds importants, hein, sur les bases Creative Commons. Il y a quand même beaucoup de choses, même sur le plan musical. Et, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la création multimédia ici. Enfin, il y a quand même une gamme de sons, une gamme d'images disponibles. Et dans le pire des cas, si ça ne vous suffit pas, prenez votre appareil photo, parce que je rappelle que le droit d'auteur, il est quand même là pour ça. Il est là pour encourager la création. Donc, il vous manque un son pour illustrer une vidéo, il vous manque une image, mais prenez la photo vous-même. Mais c'est ça l'idée. Mais c'est quand même ça le droit d'auteur, c'est d'encourager la création. Okay. C'est ça la philosophie du droit d'auteur, en France en tout cas. Philosophique bien positive. D'autres questions dans la salle? Juste rapidement, par rapport à ça, je voulais juste... parce que j'avais vu, à propos de ça, beaucoup de professeurs qui, pour régler la question, citaient le site web. C'est-à-dire qu'ils n'avaient très certainement pas trouvé l'auteur, mais mettaient l'image en dessous, le site web. Sans intérêt, aucune valeur juridique. Ça ne marche pas du tout. Mais non, c'est pas le site web qui est propriétaire de... Enfin, ça pourrait fonctionner, ça c'est des trucs de prof old school, hein. Parce que ça pardon, je ne sais pas, mais j'ai trouvé dans un bouquin, donc je ne sais pas dans quel bouquin, donc citer l'éditeur, c'est n'importe quoi, donc ça revient à ça, tu vois, c'est-à-dire qu'au fond, non, c'est le propriétaire intellectuel, c'est l'auteur. Alors bien sûr, pour avoir le droit de reproduire ou de présenter, on s'adresse à l'éditeur. On ne va pas écrire à Modiano. Est-ce que je peux produire un... On va écrire à... Je crois que c'est Gallimard. Pour avoir le droit éventuellement de reproduire, non pas une consultation, ça on peut le faire, mais un extrait important, parce que je suis en train de faire une anthologie de la littérature française contemporaine. Alors oui, parce que lui a cédé ses droits de reproduction à titre exclusif à un éditeur. Donc ça c'est normal, on va pas chercher sur le web, parce que je parle l'adresse de Modiano, excusez-moi si je parle de lui, mais c'est le nom qui me traverse l'esprit, on va pas écrire à Modiano, on va demander à l'éditeur. Mais dès qu'on a passé là au XXe siècle, le monde de l'édition papier classique, on est sur le web, c'est comme si on se dédouanait en disant je cite le site web et je me dédouane de toute préoccupation. Attends, non, c'est nul. Enfin, ça ne règle pas le problème. La réponse est l'auteur, clair. L'auteur, c'est bien
L'auteur, c'est celui qui a fait la photo, qui a écrit le texte, qui a produit l'algorithme, c'est qui a produit l'image. C'est comme je disais, demande donc à l'UTBM. Non, je demande au prof qui a créé l'algorithme. Ou même je vais vous demander à vous, parce que ce que vous avez écrit dans votre mémoire là, de fin d'année, ça m'intéresse, je vais pas téléphoner à l'UTBM. Je vous mets à vous, est-ce que vous m'autorisez à reproduire une partie de votre travail? Donc c'est la propriété est attachée à la personne qui crée le truc. Donc laissez tomber les citations de site web, ça n'a aucune espèce d'importance et de... Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non mais elle est pertinente bien sûr. Encore. Mais ça ne suffit pas pour se dédouaner. Vous pouvez passer le micro s'il vous plaît, je crois qu'il y a une autre question dans le fond de la salle. Oui, à ce sujet-là, donc vous dites qu'il suffit de demander l'autorisation à l'auteur, mais comme il a le plus souvent cédé ses droits donc à l'éditeur, des droits sur les articles, c'est l'habitude à l'université, il doit donc s'adresser à l'éditeur pour avoir l'autorisation d'effectuer la copie. Et même l'auteur lui-même, s'il veut réutiliser ses propres photos, ses propres dessins, doit demander l'autorisation au propriétaire des droits, quoi. C'est-à-dire l'éditeur. Tout à fait. Tout dépend de l'univers professionnel dans lequel on évolue. Si je prends de nouveau un écrivain, il a effectivement cédé ses droits de reproduction, souvent à titre exclusif, à tel éditeur. Donc si moi, je suis intéressé parce que je suis en train de faire une anthologie lecture française, je prends l'exemple que je viens de prendre, hein. Anthologie, je vais dire ça à l'éditeur pour savoir si je suis autorisé à le reproduire. Et s'il m'autorise, peut-être qu'il me demande de l'argent, je vais le verser à l'éditeur qui lui ensuite va le reverser à l'auteur. Parce que le contrat le prévoit. Mais cela dit, je ne connais pas le contrat. Pour vous répondre précisément, tout dépend du contrat qui a été signé. Si on prend maintenant l'exemple universitaire, là je prends les choses que je connais parce que ça me concernait directement. Il y a une époque, on publiait nos papiers dans des revues. Et puis, sans s'inquiéter d'ailleurs de savoir ce que ça devenait, on est content, on publie, et puis c'est le Graal, etc. Et puis à un moment donné, les éditeurs ont commencé à basculer tout ça sur le web. Et on se disait, mais tiens, est-ce que je peux le faire moi-même? Parce que du coup, moi, je considère que j'ai joué le jeu, hein, c'est publié il y a 10 ou 15 ans, mais maintenant, est-ce que je peux pas mettre ça sur ma page perso? Eh bien, concrètement, si je n'ai rien signé en termes de cession pour la version numérique, je suis libre de le faire. Par contre, aujourd'hui, ça devient plus difficile parce que les éditeurs demandent de le céder à la fois pour la version papier et aussi pour la version numérique. Ou alors, s'ils ont oublié de le faire à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore du numérique, ils sont en train de nous écrire, ça peut-être de vous arriver aussi, autorisez-nous, donc ça m'est arrivé là deux fois cette année, donc à l'époque c'était du papier, maintenant ils le basculent sur le web, ils doivent me demander, et c'est normal, ils doivent, parce que quand on cède ses droits, c'est pour un type de support, c'est pas pour tous les supports. Donc le contrat doit prévoir explicitement de cession à un éditeur, de revue ou d'ouvrage, pour quel type de support. Et donc oui, c'est nous qui avons la main, mais une fois qu'on a cédé, qu'on a fait ce contrat de cession, nous n'avons plus la main, et c'est normal, parce qu'on s'est engagé par contrat à leur laisser reproduire et diffuser l'article, etc. On peut définir une durée. On peut définir une durée. Récupérer ses droits ensuite. Moi j'ai dit, c'est pour vous, pour papier, mais je préfère travailler pour le numérique avec un autre éditeur. Je peux vous céder vous papier pour la France, mais je peux le céder pour l'Europe à un autre éditeur. Là, tout est possible. On peut par contrat limiter travailler sur le type de support, la durée de la cession, la zone géographique. Là, je pense encore au roman, enfin les bienveillantes. C'était inédit en France, mais le type a dit qu'il gagnait beaucoup d'argent parce que c'était quand même le Goncourt, je crois, à l'époque. Il a cédé ses droits pour la France. Et habituellement, dans le monde de l'édition française, quand on cède pour la France, on cède pour le monde entier. Et c'est l'éditeur français qui négocie la traduction et la diffusion. Mais lui, il a cédé que pour la France. Et puis, il a fait un autre contrat pour l'Allemagne. Mais il avait un agent, Little. Donc, il avait une culture anglo-saxonne différente. Et à chaque fois, de par son père, et en fait, il avait à chaque fois renégocié pour chaque pays. Et comme entre-temps, il a eu le Goncourt, c'était... L'éditeur français, donc Gallimard, n'a rien touché pour l'exploitation à l'étranger parce que lui avait pris soin de négocier pays par pays, même le format, et puis de dire quand ça paraîtra en poche, parce qu'il y a la question du format aussi, etc. Tout ça se négocie. Donc oui, à un moment donné, même pour vous étudiants, enfin éventuellement, c'est soit on négocie avec l'auteur, si on le connaît. Puis peut-être de temps en temps, il faut parfois les frapper à la porte du producteur. Moi, c'est le cas pour mes étudiants. Quand ils cherchaient un fond sonore pour une vidéo, c'était bien sûr, c'était pas
Hein. C'est soit libre de droit, licence Creative Commons, soit vous allez chercher ici. C'est ça qui vous intéresse, allez demander au producteur. Parce que le musicien, de la même façon, le musicien, il a cédé ses droits de présenter à un producteur. Il faut frapper à la porte du producteur. Bon. Tout dépend des contrats. Je crois qu'on va arrêter là pour la partie enregistrée. Je vous propose, si vous le souhaitez, de rester encore quelques instants, si vous avez encore des questions, vous voulez encore échanger, pour qu'on conclue cette partie qui est enregistrée et filmée. Donc, vous pourrez réécouter ou faire réécouter. Je voulais quand même vous signaler que vous avez vu sur cette petite table, nous avons quand même aussi des ouvrages sur le sujet. Et puis, ma collègue Lucille va vous peut-être vous dire, donner quelques informations. Je passe le micro. Voilà, donc on a montré ici, donc on a mis quelques ouvrages, donc de la bibliothèque que vous pourrez emprunter évidemment pour aller plus loin sur le sujet. On a aussi ajouté une page sur le site de la bibliothèque qu'on a intitulée Plagiat, sur laquelle vous allez retrouver quelques liens aussi utiles sur la question des bibliothèques de liens, vraiment sur cette thématique. Donc n'hésitez pas aussi à aller sur le site internet de la bibliothèque. Voilà. Bon. Ben, il me reste surtout à vous remercier. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris, en tout cas, par la diversité des intervenants et puis par vos questions et votre attention. Donc, on reste à votre disposition encore quelques instants, une fois que tout sera coupé en régie, pour échanger, voilà, et puis éventuellement boire un coup. Merci.